Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Xavi Hernandez au poste d'entraîneur du côté du Barça. C'est parti. Alors, Xavi Hernandez est beaucoup, il est beaucoup présenté du côté du Barça après la défaite 0-3 contre le Bayern et le match nul face à Cadiz. C'est des contre-performances qui se répètent de la part de Ronald Koeman. Et selon El Confidencial, Xavi est bien parti pour entraîner le Barça. Voilà, après il y a de la concurrence, il y a Roberto Martinez et tout, donc voilà. Et Roberto Martinez ne quittera pas la sélection belge avant le 10 octobre. Voilà, le Barça a besoin d'un entraîneur, pas qui va rejoindre de suite. Même Xavi Hernandez, c'est pas sûr qu'il signe cet été, parce que lui, selon certaines rumeurs comme Sport révèle que lui, il voudrait rejoindre le Barça à la fin de la saison. Comme ça, il pourra se travailler, se concentrer sur le groupe. Il voudrait pas rejoindre une équipe qui est en cours de saison, selon certaines rumeurs. C'est ce qu'ils nous disent. Voilà, pour moi, l'important de vite agir, parce que Erling ten Hag, la piste elle s'est refermée. Personne n'en parle depuis des jours maintenant. Donc voilà, il faut se concentrer sur Xavi. Pour moi, il faut le faire venir. Moi, j'aimerais bien voir Xavi du côté du Barça. Et selon un média accordé par l'entraîneur, un ancien entraîneur de la Masia, qui nous disent que Xavi sera tôt ou tard entraîneur du Barça. Et si vous vous souvenez bien, Laporta avait fait une interview en disant que Xavi aurait tôt ou tard quelque chose à faire au Barça. Tôt ou tard, il viendra au Barça. Voilà, pour moi, c'est fait. Xavi, il va revenir du côté du Barça. Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Mercato, n'hésite pas à acheter ton petit pouce bleu. S'il t'a plu, surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. On approche des 2K. C'était Umzo. À la prochaine.